de Jusqu'à Coco et quelle heure Chess va durer notre match de Bigma. webinaire? Une Before the show personne is closed, spirituelle va vous Chess and dire, Coco il n'y a que both Dieu smile. que sait cela. But Le the other père va looked dire, shocked as though. ah, le diable sait. It knew tot, Et ceux qui tot, sont au milieu ni vont rybo, ni dire, meso. Говорит, хрен его знает. ils vont écouter Значит, le coucou. послушайте своего хрена, Ils вont что écouter, вам надо. écouter. Ils vont écouter le Сколько часов coucou будем qui est сидеть? entre les deux Значит, oreilles. Il faut l'écouter. пока какую-то пользу мы друг Pour другу l'instant, принесем. Мир nous вашему n'allons pas дому. être utiles l'un à Моей l'autre. хорошей. Paix à votre maison, mes chers. Свет La вашей lumière. душе. Lumière Любовь pour votre âme. между членами Je vous вашей souhaite семьи. l'amour Дай pour Бог, les чтобы membres de votre famille. Que на Dieu сегодняшний день вот эти слова puisse faire «Мир que вашему дому» aujourd'hui ces paroles, звучит paix à особенно. votre Вы сами знаете, вот maison, последние à votre demeure, не ont 20 une лет, как около signification месяца, я particulière. остро пол желания Mais vous savez, ça fait un mois говорить. Почему? que Потому j'ai что perdu l'envie de parler. есть Et je dis ça фильмы, которого ты parce qu'il y a des films уже посмотрел. que tu as déjà vus. Посмотрел Tu as vu, много tu as лет тому regardé назад, так, il y что a в те très времена longtemps. Et tu as vu que еще не dans ces родившиеся temps-là сегодня, passés, мне que лицо могут ceux сказать, qui что n'étaient ты pas encore понимаешь? nés à l'époque et qui sont nés aujourd'hui Каково vont me ваше dire, peuvent отношение, me dire, когда от mais вас qu'est-ce que tu comprends de cette vie? спрашивают о Com фильме, который comment они vous видели не sentez-vous первый раз, quand on vous pose а des тысячу questions sur un не film que только toi t'as vu сотый plein, раз, plein, plein de fois alors que les autres l'ont vu juste une fois? а Tu l'as vu ветер plus de вызывает 100 fois. тоску, Chez toi, грусть il y a и la так далее. tristesse, quelque chose de Значит, sale qui va surgir. Tu as la nausée. все Alors, tout ce qui se происходящее passe имеет второстепенное est значение? secondaire. Нет. Они имеют значение Il n'y a пas de sens. En fait, десятистепенное. il y en a des causes qui Давайте в ont Божьи 10 дела не degrés. будем Nous вмешиваться, n'allons pas что-то в nous мире immiscer происходит. dans les affaires de Dieu, tout ce qui Давай se passe dans поговорим ce monde о самом aujourd'hui. главном, Parlons au plus что имеет principal, la значение. seule chose qui est Единственное, что имеет importante, la значение, seule это chose жизнь. qui a de l'importance, Вот мы c'est о la жизни vie. и поговорим. Et nous allons parler de la vie. Кризисы, Des мризисы, crises, des международные brises, отношения, все это. tout cela. Je dis Я à своим mes ученикам élèves, j'avais dit il y a 25 лет 25 ans, тому назад говорил, je вот я leur вам disais, буду je vais вous рассказывать, raconter des choses где, что, où, когда, quand et чего я quoi буду va происходить. se passer. Et Это, cela, друзья mes мои, amis, c'est la интуитивные mémoire фары. intuitive. Faites attention. Обратите внимание. Есть Il existe la mémoire память, qui est исходящая от issue твоего de notre жизненного expérience de vie. опыта. Et il y a une Есть autre type de другая mémoire память, qui est basée чувственная sur память. la Банк sensibilité. En fait, c'est данных comme une чувств. banque qui est pleine. Именно Et à этими travers чувствами ces sensations, пользуется sentiments, en fait, интуиция. c'est l'intuition qui va les utiliser. En Расшифровывая, déchiffrant, опираясь на это alors, чувство mémorise высокого cela, чувства. mon fils. Я сейчас Quand формулу tu говорю. mémorises ce que tu ressens, Хорошо, и тогда я maintenant, заново c'est comme повторю. une formule que je donne. Значит так, мои Et хорошие. je vais de nouveau répéter. Alors, mes chers, Существует il existe целая группа памяти, un groupe entier de mémoire, из которых расскажу несколько. mais je vais aborder juste quelques Первая éléments. память La première mémoire, это рефлекс. c'est le réflexe. Память рефлекторный. C'est vraiment la Рефлекторный mémoire память. Память, основанная qui agit sur на le réflexe. Et en уровне fait, рефлекса. c'est une mémoire au niveau des Один раз мы réflexes. обожглись, Une fois nous nous sommes рефлекс brûlés, боязни огня
Et le réflexe de la peur du feu est mémorisé pour toujours. Une fois, on s'est piqué sur une aiguille. Et pour toujours, nous sommes attentifs par rapport à ça. Une fois, on s'est presque noyé. Et après, nous avons appris de nager. Et c'est très difficile de se noyer de façon consciente parce que le corps, sur la base de cette mémoire, commence à sortir des profondeurs vers la surface. La personne ignorante qui n'a jamais su nager, elle va éprouver quoi? C'est la peur de l'inconnu, il y a vraiment l'horreur, et puis voilà. Cette personne-là, elle va étouffer parce qu'elle va se noyer. Alors l'enfant, même l'enfant qui vient de naître, qui naît dans une baignoire, il sait retenir son souffle sous l'eau. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Moins d'un an, ils sont sous l'eau, ils jouent, et de temps en temps, ils sortent à la surface pour expirer. C'est comme un jeu pour eux. Et ça aussi, c'est de la mémoire. Cette mémoire a une zone colossale qui est utile, et aussi, il y a une zone colossale qui est nocive. Si nous, cette partie que nous avons, par laquelle nous avons des profits, et cette partie de cette mémoire, et si nous ne savons pas, ne connaissons pas cette partie à travers laquelle nous nous détruisons dans la vie n'est pas une vie, mais c'est un peu comme si le vieux couchon était frit dans sa propre graisse. C'est comme les vacances. Partie, en fait, de nous, on en parlera une fois. Je vais regarder. Si ce n'est pas intéressant pour vous, je vais comprendre que vous êtes plus haut que tous ces savoirs et vous ne vous intéressez pas des savoirs qui traitent de l'enfant. Mais ceux qui sont les meilleurs, si je dois être plus précis, 999% de sang, l'humain est plus bas que certaines informations. Il regarde vers l'avant, mais il ne regarde jamais vers le haut. Il ne s'aperçoit pas, il n'entend pas, et puis il refuse toute cette information. Alors, vous avez mémorisé ce premier type de mémoire, le réflexe. Nous pouvons dire ça de façon très simple. Une vie, on vit au niveau de réflexe, c'est vraiment la vie de l'insecte. Chez les insectes aussi, il y a des groupes et des sous-groupes. Si je vais rentrer dans ce sujet, on va être fatigué vraiment, et vous et moi. Alors, le deuxième groupe, c'est encore une éduque. On s'éduque au niveau de quoi? C'est le réflexe, mais cette fois-ci, à travers la répétition et la mémorisation. Ça, c'est vraiment au niveau de l'apprentissage scolaire. La logique fonctionne et en se basant sur ce type de mémoire. Et aussi sur la mémoire d'avant, les réflexes. Alors, les conclusions logiques, ils viennent de toute l'expérience par le passé. Et on l'utilise toute une vie. J'ai parlé plein de fois de ça. Alors, le niveau de mémoire suivant, c'est la mémoire sensuelle, sensitive. Je comprends quelque chose avec ma raison, mais ce que je ressens ne coïncide pas. Je vais écouter, je demande, tout le monde me dit tout va bien, tout est normal.
je regarde avec les yeux, tout le monde dit, bah, ne t'inquiète pas. Mais la mémoire sensitive qui provient d'un qui provient d'une des sources de ce type de mémoire, c'est l'intuition. Alors que l'intuition, c'est vraiment le niveau suivant, qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus large. C'est la vision. Pourquoi les hindous, comment les hindous font ça? Et puis la vision du futur marche comment? Si on regarde, à la définition qu'il y a de plusieurs milliers d'années, ce type de mémoire signifie, on peut l'appeler la mémoire de l'âme, dans un sens, oui, c'est comme ça. Mais on peut aussi parler de la mémoire de la spiritualité. Je peux dire ça de façon beaucoup plus simple. Il y a la mémoire musculaire. Il y a la mémoire du système nerveux. En gros, le cerveau central, la moelle épinière et le cerveau qui se trouve dans les fesses, dans les derrières. Et chez certains, c'est là. C'est vrai que la plupart des gens pensent avec le derrière et ressentent avec le derrière. Ah, je suis partie de côté. Ah, parfois, j'ai dit des choses stupides comme ça parce que comme ça, on mémorise mieux derrière. La zone suivante de la mémoire, c'est déjà pour ceux qui s'entraînent en conscience, ceux qui ont aussi un don venu de Dieu, mais il n'y a pas tout le monde qui est 2 mètres de, en hauteur, ils ne sont pas tous des Schwarzenegger, mais si quelqu'un s'entraîne, il peut devenir comme ça, musclé et grand. Il y en a des gens comme ça. Ça veut dire, pareil, il sait entraîner quelqu'un pour devenir comme ça. Alors, ce mémoire est particulier. Ce côté-là, vous savez comment ça fonctionne. Alors, l'autre type de mémoire, ça fonctionne comment? La mémoire du corps, la mémoire du système nerveux, la mémoire de l'âme et la mémoire de l'esprit. Le corps est responsable pour la conservation. La plus petite expérience où on s'est piqué ou autre chose par une aiguille crée un mécanisme de défense immédiat. Et la personne commence à passer d'à côté des situations comme ça. Un instrument coupant, ou quelque chose qui nous brûle, ou les grandes hauteurs. Donc, il y a la tension, en fait, qui va être là. Vous êtes d'accord? Ouais. À quoi ça sert cette mémoire qui est basée sur l'intellect? La mémoire de l'intellect, c'est-à-dire la mémoire du cerveau, du système nerveux, ça, vous le savez tous, ça va servir pour la carrière, pour satisfaire nos besoins, pour créer des valeurs comme l'aime ou l'amour, et bien sûr, des tonnes, des générations du mensonge, des mensonges infinis, qu'on appelle quand même la vérité. Le bouc qui s'enfuit en pleine vitesse a une seule vérité. Alors que le charcutier avec le couteau qui court derrière lui pour le couper, pour le tuer,
à une autre vérité. Si tu écoutes le bouc, t'as envie de l'aider. Il veut vivre. Quand tu écoutes le charcutier, lui aussi, il veut vivre. Et tu le comprends. Et alors, c'est où la vérité? Où se trouve la vérité? Chacun a sa vérité. Et chacun veut arriver à ses propres objectifs. Et il rajoute par rapport à un désir une énorme quantité de fantaisie et le bouc et le charcutier. Et quand tu écoutes chacun parmi les deux, tu veux les écouter et autour d'eux, il y a des armées entières de défenseurs. Comment ça s'appelle? L'humanité ou... C'est la défense qui va dire c'est le bouc qui a raison ou c'est le charcutier qui a raison. C'est-à-dire qu'il y a des armées, des gens qui vont défendre les... Alors, ça, c'est le territoire le plus grand où vous êtes des maîtres. Et je ne vais pas entrer dans ce territoire qui est le vôtre. Et maintenant, je vous souhaite le bienvenu dans notre territoire. Si vous dites quelque chose ici, dans le meilleur des cas, je peux donner mon opinion. Je vais dire ça, c'est comme ça ou comme ça. Alors, dans le meilleur des cas, même si je suis quelqu'un de très mal éduqué, je vais vous envoyer au diable très, très, très loin. Vous allez voler d'ici avec la vitesse de la lumière, vers où, là, vers d'où votre opinion qui pue est née. Alors, la mémoire de l'âme, ça aussi pareil, on ne va pas y rentrer dans ça aujourd'hui, mais on va parler de la mémoire de l'esprit. Je vais quand même revenir au niveau de la mémoire de l'âme. Alors, la mémoire de l'esprit n'est pas dépendant des distances. L'esprit n'est pas soumis à la notion d'espace. L'esprit n'est pas soumis au temps. Le corps utilise les deux jambes ou quatre pattes. Les pensées, c'est des milliers. C'est comme un haras entier des Pegasus qui volent au-dessus des nuages de stupidité, ou qui apportent ou qui tire vraiment cette charrette de la conscience logique. Mais l'âme, je dis qu'on ne va pas rentrer dans ça, mais c'est encore temps. Mais revenons, la mémoire de l'esprit, qu'est-ce qui utilise la mémoire de l'âme? Elle utilise l'intuition. La mémoire de l'esprit, qu'est-ce qu'il utilise? Elle utilise la vision. Pendant le temps du voyage, par rapport au temps et par rapport à la distance. Alors, où se trouve le système nerveux? Sous, il se trouve où la peau. Vous êtes d'accord? Les sensations tactiles, etc., etc. Nous sommes vraiment partout. Il y en a ce système nerveux au niveau des reins, des foies, et tout ce qui fait du bruit. Comment on l'appelle? C'est un congrès. Ah non, c'est l'intestin. Où se trouve l'intellect? La conscience de l'humain? C'est une question. Dans le cerveau? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Où se trouve la conscience de l'humain? Dans l'âme? Alors l'âme, elle se trouve où? Demandez parmi les médecins,
La plus grande quantité athéiste se trouve, le pic de l'athéisme se trouve chez les chirurgiens. Quand on dit que l'âme est quelque part là, lui dit, mais à chaque jour, j'ouvre 3-4 personnes, il y a un intestin qui pue, il y a rien d'autre, il n'y a pas d'âme. Alors, le cerveau, mes chers, vous savez que le cerveau contient la mémoire. Ce sont des choses d'anatomie qu'on apprend à l'école. Demandez des spécialistes qui étudient vraiment le cerveau, les docteurs des sciences. Pas ceux qui, les chirurgiens qui ne font qu'opérer. Eux, ils ont un autre rôle, une autre forme de quoi? De spécialité, en fait. Mais les docteurs des sciences, les académiciens de tous les instituts, ceux qui étudient le cerveau, ils vont vous dire un seul mot. Nous ne savons rien du cerveau. Vous, vous savez. Moi, c'est pareil, je ne connais rien. Alors, pourquoi? Parce que pour chaque règle, il y a des exceptions. Pour chaque règle, il y a des exceptions. Et puis, dans la pratique médicale, il y a eu des cas. Il y a eu une chaîne de régularité. Quelqu'un qui vit une vie absolument normale, qui est professeur, qui enseigne dans l'université, il meurt, on l'ouvre, et dans la tête, on trouve qu'une moitié de son cerveau n'est pas là. Une hémisphère n'est pas là du tout. Oui, bien sûr, vous pouvez regarder ça comme information. Dans l'Internet, vous le trouverez. Il y a des personnes qui ont un visage et qui n'ont la moitié du crâne manque. Parce que quand quelqu'un a subi une catastrophe, un accident de voiture, il était blessé, puis les chirurgiens ils ont enlevé des parties du cerveau. Il y a des parties où vraiment le cortex est absent, la substance blanche et grise reste un peu, mais voilà, une partie a été quand même enlevée. Et le plus important, vous pouvez même voir, il y a même des vidéos sur ces thématiques. Leur intellect n'a pas changé du tout, il a continué à travailler selon sa profession. Il a été handicapé, mais il a continué à travailler. Et ce sont des spécialistes avec une qualification élevée. Le cerveau, c'est le centre de direction. Il dirige. En gros, le centre vers le cerveau afflue une énorme quantité de quoi? Des câbles, si je peux dire ça comme ça vulgairement, de tout l'espace, de l'espace entier, qui s'appelle le corps. Et alors, il y a une question qui apparaît. Est-ce que les maladies du cerveau existent? Oui, il y en a plein. Est-ce qu'il y a des perturbations de la conscience? Oui, il y en a plein. Mais là où on dirige les choses, en fait, c'est vraiment quelque chose plein de boutons. Alors, si je dis, s'il y en a un missile qui va voler vers le cerveau et passe à travers, mais si ce missile ne touche pas vraiment les zones vitales, par exemple les vaisseaux, etc., Non, pour ces temps-là que le missile passe et qui dépasse en fait la vitesse du cerveau pendant la durée de ce passage du missile, avec une vitesse qui dépasse la lumière, la vitesse de la lumière, le cerveau arrive
instantanément à déplacer l'information des zones endommagées vers de nouvelles zones, là où c'est plus sûr. Ce sont des paquets d'informations qui sont déplacés. Dans une carte mémoire, aujourd'hui, dans un disque dur, on peut avoir un terabyte. Et ça, c'est grand comme. Ça pourrait être grand comme un angle, alors que dans le cerveau. Ah, pardon, dans le USB, en fait, c'est encore moins grand. Il y a du plastique au-dessus. Dans un terabyte, il y a combien d'informations? Combien de films on pourrait mettre dedans? Mais le plus important, tous les mots qui existent, tous les dictionnaires qui existent, par rapport à toutes les langues qui existent sur Terre, si on les réunit, ils vont prendre pas plus de 100 mégabytes. Pas plus de 100 mégabits. Si on réunit toutes les langues, tous les mots, jusque le dernier point et virgule, sous forme d'encyclopédie, si on le met dedans, même si pour chaque mot il y a plein d'explications, même une dixième de ces terabytes ne va pas être remplie. Qui est pas plus grand que l'angle d'un enfant. Cette carte mémoire dans laquelle il y a un chip vraiment pas plus grand que le doigt d'un enfant. Alors, par rapport au cerveau humain, il reçoit l'information tellement... Alors, je fais vraiment quelque chose fin. On revient encore. On va mettre sa main sur une plaque qui réagit aux moindres énergies électriques, ce qu'on appelle la photo Kirlian. C'est-à-dire que c'est sur une plaque de photo qui va réagir aux moindres champs électriques. On posait à l'époque sa main et après un certain temps, quand on prenait cette plaque, qu'est-ce qu'on voyait? Une fois qu'on aura fini ici, en fait, connaissance avec le photo Kirlian. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment archaïque comme plaque de photographie, qui est vraiment très, 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 très sensible. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit sur la photo la main qui est posée sur un fond noir. En fait, quand on voit la vraie photo, on voit que de nos doigts, il y a des milliers et des milliers de décharges, comme des éclairs. L'humain, à partir de l'homme, part dans tous les sens. Ce sont en fait des champs qui sont tout le temps en changement. Il y a des millions de rayons qui partent. À quelle distance? Et c'est quoi cette chose-là, ces rayons? À la distance vraiment la plus petite, on va dire l'aura, qui est c'est comme un rayonnement en fait qui ressemble à un hérisson. C'est vraiment le plus près du corps, mais après il y en a des rayons qui vont plus loin, plus épais, qui vont beaucoup plus loin. Alors, une question. Quelle est la longueur de ces, on va dire, de ces choses-là qui ressemblent à des tentacules? Vous avez vu déjà un pulpe, bien sûr, vous avez vu aussi un hérisson. Si chez l'hérisson, il y a 1000 ou 10 000 pics comme ça, alors chez l'humain, il y a des millions de rayons lumineux qui ressemblent. En fait, ce sont des rayons énergétiques, des aiguilles énergétiques que l'on peut voir par les moyens d'un laboratoire. On peut les étudier. Mais nous n'avons pas une plaque de photographie aussi grande pour voir jusqu'où ça arrive. On n'a pas une plaque qui est grande 1 km sur 1 km.
C'est pas possible de faire sur un kilomètre carré ou une matrice qui nous aidera à voir cela. Mais disons que par rapport à un kilomètre, nous pouvons voir. Et je sais absolument avec certitude. Et si on va plus loin, ce champ qui part dans tous les sens de l'humain, qui part à 360 degrés chez, à partir de l'humain, ce sont comme des terminaisons nerveuses, mais ce sont des terminaisons énergétiques qui ondulent tout le temps. C'est pas qu'ils apparaissent et disparaissent. Non. Ils changent en fait en permanence. Ils ondulent en permanence et qui sont tout le temps présents. Alors, cela est notre corps énergétique. Maintenant, par une voie expérimentale, est-ce que nous pouvons mesurer cela? Si on n'a pas des instruments qui ont une telle dimension, oui, on peut vérifier sur quelques mètres carrés. Quand nous allons compter, nous pouvons éventuellement préparer quelque chose qui a une dimension d'un mètre, puis le diviser en 100 cm, et par rapport à chaque centimètre, on va mesurer. Et après, nous pouvons éventuellement calculer et les kilomètres et les centaines de milliers de kilomètres. Vous êtes d'accord? Alors, nous, avec vous, nous sommes de ceux qui s'entraînent. Je m'appelle Vasya et vous vous appelez Petya. Nous nous entraînons. Nous sommes comme des fonds de. Nous faisons de bénévolat au niveau de l'intuition dans notre laboratoire hyper connu. Devant moi, il y a un générateur de chiffres par hasard qui va générer différentes images, différents mots et différents chiffres. Et à chaque fois, ce générateur de chiffres par hasard donne des choses différentes qui ne seraient. En fait, l'information qui sort ne se répète pas. Vous êtes en face et entre vous, il y a comme un écran. Vous avez appris de distinguer vos propres pensées de pensées et les sentiments. En fait, les sentiments et la vision, vous les distinguez. Vous prenez devant vous un papier A3 ou A4. Mais si vous êtes vraiment paresseux, vous prenez en fait, voilà, vous prenez un crayon, le stylo. Je prends, et puis ce que j'observe par la vision intérieure, je note tout ce qui me passe par la tête, je note. Je dessine et après je compare. Quand nous, avec vous, on reçoit 70% de coïncidence, et après quand plusieurs fois on vérifie tout cela et qu'on a, le résultat ne baisse pas et qu'il reste toujours dans le rayon de 70%, 80%, nous avons déjà des données statistiques moyennes. C'est comme une mesure, en fait, de la réception d'informations. Après, vous passez au niveau du chambre d'à côté. Les 72 ou 70% de nos données moyennes, nous regardons dans la chambre d'à côté, puis on regarde, est-ce que ça baisse, ce pourcentage, ou il y a autre chose, on regarde. Après, je m'entraîne pareillement par rapport à la rue d'à côté. Pareil, je regarde ici. Vous êtes ici, moi je suis dans mon cabinet, puis on regarde. On garde 70%. Allez, on va garder ce chiffre de 70% de réussite. Alors, on devrait trouver quelque chose.
on devrait trouver le moment où ce chiffre commence à baisser. Au moment où ça commence à baisser, c'est-à-dire qu'on vérifie encore une dizaine de fois, et si on trouve ne soit-ce qu'une fois une diminution de 2% ou plus, et quand on arrive à 60%, ça veut dire que chez nous, ça s'appelle bingo. Et entre les mains, on a mesure, en fait, on a un mètre, et puis on mesure à quelle distance j'ai envie de recevoir l'information et que je réussis à zéro. Donc on va voir que à partir de là, ces millions d'ions ondulants qui partent de notre corps énergétique, qu'on peut étudier de façon scientifique et qui s'appelle la photocoriandre, maintenant c'est un autre nom. À la fin, à la périphérie de la ville, on arrive à garder les 70%. Alors je passe vers la ville d'à côté. Pareil, ça reste. La distance maximale que nous avons étudiée, et puis d'autres scientifiques aussi qui ont étudié, du troisième groupe, quatrième groupe, ce sont des distances d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout. 20 000 km. Plus ou moins comme orientation. Comme c'était 70%, ça restait 70%, peu importe la distance. Pendant la journée. Et ça pendant la journée. Vous êtes assis là où il y a du soleil. C'est en conditionnel. Voilà, je suis assis, c'est le lever de soleil, alors que vous êtes là où le soleil se couche. Et il y a toujours 70% de coïncidence au moment où vous et moi, on est dans la nuit. Et quand, en tant que récepteur, vous vous trouvez là où il fait nuit, brusquement, vos résultats augmentent et vous arrivez à presque 100%. Parce que entre vous, en fait, le soleil, c'est le plus grand générateur de rayons électromagnétiques et c'est le plus grand perturbateur, d'où le résultat pendant la nuit. Et quand on change et c'est l'autre qui se trouve dans la nuit, ça se répète. Il arrive à presque 100% de résultat. Ça veut dire que le champ énergétique de l'humain, quelle mesure, quelle taille, quelle est la conclusion qui apparaît devant vous? À travers quelle distance, quelle est la distance en fait de ce champ vers lequel il va? Ah, chacun va dire une chose différente. Nous n'avons pas trouvé une limite à cette distance. Les autres scientifiques n'ont pas trouvé la limite. C'est à peu près les mêmes résultats partout. Si des gens ont entraîné leur intuition et ils font ça, mais s'il y en a deux stupides comme moi et vous, et si on est l'un en face de l'autre, si j'ai des fantaisies dans ma tête et l'autre écrit pareil des trucs imaginaires, sur sa feuille, la distance n'a aucune importance. Là, nous parlons des gens qui ont l'entraînement de la perception, c'est-à-dire on parle de la science. Nous continuons plus loin. La distance, quelle distance? Personne ne le sait. Ça veut dire que l'esprit humain est si énorme.
Le corps physique se trouve à l'intérieur de la peau. L'intellect se trouve quelque part à travers le corps entier, mais le centre de direction, c'est le cerveau central. L'âme se trouve dans une caisse fort à part. Cette caisse fort secrète, dedans se trouve le modèle du bien supérieur et du mal supérieur. L'âme, c'est comme une caisse forte où sont préservés l'amour et la bonté supérieure, mais aussi le mal supérieur, afin de pouvoir voir où c'est le bien et de pouvoir résister ou fuir là où il y a le mal. Et la morale supérieure et aussi la amoralité supérieure aussi, c'est comme il y a des modèles de ça. Et l'âme va être attirée vers le supérieur et tout ce qui est lumineux, et grâce à ce modèle, elle peut aussi résister à ce qui est bas. L'esprit, c'est la même chose. Il se trouve dans un certain espace et les corps sont comme des poids, en fait, comme des chaînes. Comment on appelle ça? De menottes. Vous rappelez la fleur de pissenlit qui s'envole. C'est un pissenlit. Cette petite boule blanche, c'est l'esprit. Et quand on y souffle, qu'est-ce qui reste? Reste le corps. Ça veut dire, nous, avec vous, mes chers, quelle est notre taille, notre vraie taille? Ben, nous ne savons pas. Mais il y a des suggestions là-dedans. J'étais entraîné par mes mentors, et puis moi j'ai entraîné mes élèves, et je répète tout ce que j'avais entendu avant, et tout ce qu'eux avaient entendu pendant des milliers et des milliers d'années. Je dis à mes élèves, ouvre, ferme tes yeux et ouvre ton cœur. Ouvre le cœur de façon. Ouvre ton cœur et regarde à travers le cœur. Regarde de façon à ce que tout ce qui est terrestre, toute la terre, toute la planète, puisse rester quelque part sous l'angle de ton petit doigt. Et après, tout ce qui a été accumulé là, sous ce petit doigt, on peut mettre dedans tout le système solaire, toute la galaxie, tout l'univers entier. Quand je dis à mes élèves des choses comme ça, et je leur dis, allez, si je dis ça tout de suite, mais qu'est-ce qu'ils vont comprendre au début? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Mais rien du tout. Et ils comprennent petit à petit, avec le temps, en s'entraînant, de se regarder d'un côté. Ça, c'est pas une sortie du corps. C'est pas une sortie du corps. Nous allons nous arrêter ici par rapport à la technique de cela. Il n'y a pas très longtemps, un de mes élèves me dit, « Maître, je fais le devoir que vous m'aviez dit, exactement comme conseiller. » Mais je n'y arrive pas.
Ah, je lui demande, est-ce que tu arrives? Oui, j'arrive. Je lui demande la question, à quel point tu peux y arriver? Et puis il dit, bah, je peux m'élargir à des kilomètres. Je lui dis, bien. Si là, il y a des pigeons qui volent à une centaine de mètres, alors, voilà, ce pigeon et ce pigeon-là, s'il te plaît, fais qu'ils arrivent ici, à côté de la fenêtre, j'ai envie de voir de quelle race ils sont. Il me regarde comme ça, mais me dit, mais c'est quoi ça? Puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu me regardes comme si j'étais archaïque? Je lui dis, mais fais que les pigeons atterrissent là. Parce que toi, tu me dis que tu peux voir à des kilomètres autour de toi. Et ça, c'est la voix à l'intérieur de toi qui vole. Vous comprenez? Vous vous rappelez? Peut-être que vous pouvez aussi raconter quelque chose de semblable avec vous. Et maintenant, est-ce que vous pouvez dire, ah, maintenant je vais commencer aussi. Je vais vous dire, mais vous êtes des idiots. Pour commencer comme ça d'un coup, pour arriver à ça, il faut s'entraîner des années et des années. Combien de temps vous entraînez? 4 ans. Allez, la dernière entraînement que vous avez fait, c'était quand? C'était il y a 2 semaines. Alors, prenez votre chaise, venez à côté de moi. Vous savez, je suis obligé de dire, de parler toujours. On peut fantasmer. Alors, déplace la caméra afin de le voir, lui aussi. Et voilà, il y a le micro qui est là. Alors, mettez-vous à côté. Faites connaissance, ça c'est Rustamjan. Les élèves sont de 2 types de personnes. Je dis ça de façon simple. L'un, il est suffisant juste de faire l'ombre d'une suggestion. Il commence déjà à chercher la façon d'accomplir cela, de chercher les mécanismes qui vont marcher. C'est un peu comme un entraîneur de sportif qui donne une tâche à son sportif, et le sportif, bah, il le fait, il s'entraîne. Ça, c'est le type d'élève qui est vraiment très rare. C'est lui qui est le prétendant pour faire des records, qui veut devenir un champion. Le reste, c'est 1 sur 20 000. Les 20 000 qui restent, tu lui dis étape par étape, bien ranger tout, et tu lui dis, mais tu vas agir? Au début, eux, ils s'endorment pendant que tu parles. Deuxièmement, le deuxième leçon, ils ne sont plus là. Et troisièmement, et la troisième fois, toi, tu es déjà content parce que tu t'es libéré de lui. Mais même si quelqu'un amène quelqu'un comme ça, attaché avec de menottes, et puis on lui dit, mais tu ne pars pas pendant tant que tu n'as pas appris, il n'y a rien qui va se passer. Parce que des personnes comme ça, ils ont toujours des arguments et des faits qui vont expliquer pourquoi ils ne vont pas arriver, pourquoi ils ne réussissent pas. Moi, je connais son père à lui, père là aussi. Une fois, je vous avais dit, je ne vais pas vous enseigner de façon simple par rapport à l'économique. Regardez autour, il y en a tellement des écoles, des instituts, des académies.
Et dans chaque académie, il y a une armée de gourous qui enseignent comment faire du business, comment devenir dirigeant, alors que eux-mêmes ils travaillent comme des employés qui enseignent et attendent en fait une avance. Oui, ils savent parler très très bien, mais ce territoire-là, je ne vais pas l'approcher. Vous allez apprendre ce territoire seul. Je ne vais pas vous raconter ou diriger votre attention dans le business. Ça aussi, bah, chaque recoin, vous pouvez avoir ce type d'informations par milliers de façons. Ma tâche, c'est de vous apprendre à ce que n'est pas enseigné nulle part. Nulle part. Il n'y a aucune académie internationale. Une fois pendant nos entraînements, j'avais une exigence envers votre fils. Je lui ai dit, toi, tu vas servir tes parents. C'était comme ça? Et ça, c'est le début du business, mes chers. Je commençais à regarder, à observer, à analyser. Vous étiez 10 en tout. Et de ces 10, il y en a 2 qui sont restés. Et les autres 8, ils étaient vraiment des étalons supérieurs de l'égoïsme qu'ils ont choisi comme voie. Il vous a promis d'avoir, de vous faire encore un petit-fils. Oui, on va vivre, on va voir. Il faut avoir pas moins de 5-6 enfants. Ne rêvez pas. Vous avez combien d'enfants? Pour l'instant, 6. Pour l'instant, 6. Alors, pour ce temps, pendant tout ce temps-là, il a 8 maisons, en fait, 8 boutiques pour vendre des meubles. Il y a plein de... Alors, cela, c'est une heure. On va dire, business, le business et la famille. C'est juste un élément à partir duquel on va partir. Et on va vous dire. Il y a d'autres éléments qu'on ne va pas mentionner, parce que beaucoup parmi vous ne sont pas prêts à nous écouter. La personne faible a une arme excellente, c'est-à-dire qu'il se vexe instantanément et puis tout de suite il dit « mais c'est n'importe quoi que tu racontes ». Alors, comment on s'est entraîné? Il y a 2 semaines, moi avec votre fils, il y avait quelqu'un encore avec nous? Oui, Evgeny était avec nous. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, alors les gars, je ne vois pas des oiseaux, on est au bord de la mer, combien de temps on reste ici? On était assis pendant 40 minutes et il n'y avait même pas une âme qui vole dans le ciel. Même pas un. Autour, c'était vraiment stérile au niveau du ciel, il y avait des arbres, il y avait tout, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Combien de minutes je vous avais donné? Quelques minutes. Juste quelques minutes. 2 minutes ou 3 minutes? Non, 2 minutes. S'il te plaît, parle un peu plus fort. Et puis, je disais, voilà, nous sommes là, nous prenons un café. Derrière toi, il y a un arbre où il n'y avait pas encore des feuilles. De l'autre côté, il y avait 2 poteaux. Et entre les 2 poteaux, il y avait une distance de 3 mètres. Et je lui dis, Rustam, Jan. Jan, ça veut dire âme. Rustam, vous avez à disposition 1 minute, mais je suis même comme ça très généreux. Je vais vous donner encore une. Au maximum, je vous donne 3 minutes. Afin que, entre ces 2 poteaux, entre ces 2 poteaux, qui sont à une distance de 3 mètres,
Allez, continuez à raconter vous après. Après, qu'est-ce que vous deviez faire? Ah, on devait faire venir un des oiseaux. Combien? Deux. Non, trois. Trois. Vous n'êtes pas attentif. Non, non, non. J'avais dit deux, mais après je vous ai dit, ah non, non, on va rajouter un troisième. Chiffre très généreux. Lui, il devait trouver dans l'espace ces pauvres oiseaux et les faire venir entre les deux poteaux. Quelle était la chance que dans l'espace d'une minute, des oiseaux apparaissent et on va les mettre dans une partie de la balance et dans l'autre partie de la balance, on dit qu'on était là pendant 40 minutes et il n'y avait même pas un oiseau dans le ciel, rien. Vous comprenez? S'il n'y a pas, c'était quelque chose qui était anormal. J'ai dit à Rostam, ça y est, top. Ah, je lui disais, ils sont obligés de venir ici et vous faites que l'un d'eux se mette sur cette branche. Et si c'est des moineaux, bah on va compter quand même que c'est des oiseaux. Continuez, Rostam. Il y en a 40 secondes qui sont passées. Il y a deux oiseaux qui passent. Et juste après, quelques secondes après, encore une qui vient et qui se pose sur la branche. Et quand on a commencé à réussir ça, attendez, avant que les oiseaux se posent, je vous ai dit quelque chose. J'ai dit, chez mon mentor, le chiffre était quoi? C'était 11. Mon mentor, mon maître qui est maintenant défunt, il met le 11. C'est un peu comme un totem pour lui. C'est pas vraiment comme ça, mais on va dire ça. Cet exercice provient de son école à lui. Maintenant, je vous dis talalam. Maintenant, comptez combien des moineaux sont arrivés. Il y avait exactement 11. Avant ça, on avait dit, prononcé le mot 11. Et voilà. Ça, c'est juste un entraînement qu'on a fait. C'était vraiment un micro-entraînement. Parce que cette journée-là, on s'entraînait du matin au soir. On s'entraînait avec des chats, avec des... Mais pas un seul chat. Et quand on partait, on devait sortir de l'hôtel le matin, continuez à raconter. Il y avait un tracteur. Après, il y avait un motocycle. Motocyclette. Après, il y avait trois chats. Et après, il y avait les oiseaux. Mais à la fin, il y en avait de nouveau ces trois chats. Et en fin de compte, il y a un quatrième chat qui a griffé votre fils. Cette moto, personne n'a compris. Qui a compris l'histoire des moineaux? Faites-nous signe. Qui a compris ce qu'on disait par rapport aux moineaux? Notez dans le chat. Mettez des plus. Oh là là, ils mettent des plus. Ah, les malheureux, je viens de dire. C'est lui qui est le coucou dans les têtes. Mettez des plus. Si vous avez compris, alors refaites cette expérience. Voilà, voilà une tasse. Vous avez une minute. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde. S'il vous plaît, faites que, ici, un moineau arrive et se pose sur cette tasse. Répétez cela. Répétez cette bêtise à la maison. Même si c'est un
autre insecte qui arrive, ça veut dire que vous avez compris. Vous avez vraiment compris si vous arrivez à faire cela. Si vous avez déjà fait cela, c'est seulement maintenant, en ce moment-là, que vous pouvez comprendre cela. Vous voyez combien de plus sont partis dans le chat. Ça s'appelle mettre fin à mon propre inspiration. Ça s'appelle un cimetière de tous ceux qui comprennent. Maintenant, vous comprenez quelque chose? Après 3-4 ans, l'humain qui s'entraîne commence à comprendre quelque chose de microscopique de tout ce qu'il fait. Nous, vous étiez avec nous ce jour-là, quand nous étions partis au petit-déj. Ah non, c'était Tofik. Peu importe. Et j'ai dit, quand on était dans l'hôtel, j'ai dit, on était en retard pour le petit-déj. On était fatigués. C'était quoi, Combil? Non, c'était pas en Antalya, c'était loin de Antalya, Kimer. Et je vous disais, ami, je vous fais un cadeau, c'est un excavateur jaune. J'ai dit à Tofik, partout où on va y aller, suivez vraiment le véhicule jaune. C'est là, en le suivant, vous allez trouver l'endroit où on va prendre le petit déjeuner. Alors, on a cherché longtemps un café où prendre le petit déj. C'était une petite ville, tout était fermé. On est rentré, en fait, on a tourné au moins 15 fois dans de petites rues. Et la seule qui était ouverte, on s'est arrêté. Et à côté, il y avait vraiment un tracteur énorme, jaune. Quelqu'un peut penser que j'étais partie au préalable, que j'avais vu ce véhicule à côté de ce café, de ce bar. Non. Même avant. Il était parti avant que nous on s'assoie. Alors, mes chers, c'est un autre type de mémoire qui est située dans le temps et l'espace. C'est une mémoire où vous vous souvenez où vous avez pris votre petit déjeuner et qu'est-ce qu'il y avait autour. Mais ce petit déjeuner va se passer dans quelques heures chez vous. Ce que vous avez fait, comment vous avez agi, qu'est-ce que vous avez fait dans un mois. Souvenez-vous, cette mémoire, c'est une mémoire du futur. Excusez-moi, je vous ai gêné en vous faisant venir ici, à côté. Alors, mes chers, je vais dire un seul mot. Je l'ai dit toujours au début et à la fin de nos rencontres. Paix à votre demeure, mes chers. Paix au-dessus de vos têtes, afin que vous, avec vos enfants et vos petits-enfants, puissiez laisser dans ce monde où il n'y a pas un monde où il n'y a pas cette folie qui s'est passé et qui est en train de se passer. Toute cette mémoire, toute cette intuition, toute cette expérience de vie, qu'est-ce qu'il donne en premier lieu? Il donne la liberté. La liberté du choix. Au nom de la salvation de ses enfants, de la protection de ses propres enfants, au nom de l'éducation
tout et encore tant de choses. Mais comme nos yeux n'ont pas des possibilités infinies, comme nos oreilles n'entendent pas tout, mais à la fois, il y a un énorme diapason de son que nous n'entendons même pas. Exactement de la même façon, notre mémoire, par rapport au 1er janvier passé, le 31 décembre, si je me rappelle quelque chose, ça va être vraiment des bribes. Quand je vous demande le 9 janvier, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien à dire. Parce que si on regarde l'année passée, il y a des petits morceaux de mémoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans ou il y a 10 ans? Dans l'école, quand on était à l'école, qu'est-ce qu'on se souvient? Il n'y a rien. Mais si on réunit tout cela, exactement la mémoire du futur est là. En fait, ce souvenir du futur, ce souvenir du passé et ce souvenir du futur, c'est ça d'être complet. C'est ça la plénitude. C'est-à-dire les binômes. Ça, c'est le passé et ça, c'est le futur. Il y a plein de questions qui ont été posées dans le chat. Plein de questions. Même Marat, au début, avait écrit: j'ai 31 ans, je vis avec ma mère, et on me dit: pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu vis avec ta maman encore? N'écoutez pas ces boucs qui vous parlent de cette façon. N'écoutez pas ces trucs idiots, des égoïstes qui vous racontent des choses comme ça. La voie vers le paradis, la voie vers tout ce qui est bien, commence autour, vraiment au niveau des pieds des mamans, on dit comme ça. On a dit aux armées. Ah, vous avez dit que vous ne voulez pas laisser votre maman à cause de mariage. Et j'ai commencé à avoir du respect envers vous. Je vous respecte. Ça veut dire que vous êtes un vrai homme, un vrai fils. Et souvenez-vous, mémorisez. Maintenant, après la pause, nous allons continuer dans quelque chose qui est directement pour vous. On va parler des vrais fils. Pourquoi à 31 ans, vous n'êtes pas marié? On va parler de tout ça. Pourquoi se marier? Nous allons... Excusez-moi, je vais être très... Je vais utiliser un terme scientifique. Pourquoi vous devez vous marier avec cette salope? Pour les salopes qui vous disent: ah, t'es pas marié avec ta maman. T'es pas marié parce que tu vis avec ta mère. Ça, c'est... Ce sont des salopes égoïstes. Alors, ce leçon de zoologie, comment entre les salopes trouver sa femme, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire l'humain. Parce que chez les vrais salopes, tout est vers l'extérieur tourné, alors que chez le vrai humain, l'essence est à l'intérieur.
Et la, comment découvrir comment est la femme de l'intérieur. Je vais vous donner quelques indications, petites comme ça, qui viennent de mon expérience de psychologue. On va faire une pause. Je vais un peu nettoyer mon disque dur. Et après, on parlera de l'intuition. On va parler de super capacités qu'on a, mais qui ne vous sont pas nécessaires parce qu'il faut bouffer pendant la journée. Et avec tout cela, vous remplissez votre réfrigérateur. Et ces leçons ne sont pas pour vous. Excusez-moi si je vous touche mal comme ça.